J'espère que ça s'entend mon petit truc là. Bon, sinon il y aura la démonstration visuelle immédiatement après, donc c'est pas grave, mais quand même. L'idée c'est de faire une espèce de thérémine optique en fait. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe en termes de signaux? Bah, tout simplement, dès que je m'approche, dès que la lumière baisse, en fait, j'augmente le temps entre deux impulsions. Et par conséquent, je décale mes fréquences. Donc plus je m'éloigne, plus je suis aigu, forcément, fréquence très haute. Et dès que je masque un petit peu de lumière, la fréquence baisse considérablement. J'essaie de rester ouais, donc un petit montage vraiment débile qui m'a pris allez, au moins 5 minutes de conception et au moins 10 minutes de construction. Alors j'essaie de faire un petit peu de son pour voir si le. Parce que là, je filme avec le téléphone, c'est pas super. J'espère que ça s'entend un petit peu. Ah bah, si je mets le classeur devant, forcément, on n'entend plus rien. C'est marrant. Donc, si je zoome et dézoome le schéma, je peux faire varier le son, c'est classe. En fait, c'est juste deux transistors, un condensateur et une photorésistance. Hein. Donc les références, c'est des 2N3906 et 04. Puisque j'avais que ça sous la main, de toute façon. C'est aussi bête que ça. Il n'y a pas de vrai choix de composants. Avec le classeur, ça fait une surface unique qui cache bien la lumière, c'est pas mal. Ça fait des vraies variations. Ah, c'est plutôt rigolo comme système. J'essaierais bien d'en faire un capteur avec une antenne, quoi, comme un vrai, un de ces jours. Ce serait rigolo.